Alors, aujourd'hui, on va mais défoncer sa race, mais vrai, genre vraiment quoi, à une grosse idée reçue en vidéo. Mais on va lui mettre bien, mais comme d'hab, toi-même tu sais, ce sera juste après l'intro. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi, comme à chaque vidéo, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, justement. Et puis d'ailleurs, si vous êtes intéressé par la vidéo, par les caméras, par le tournage, par le montage, tout ça, bah c'est le moment de vous poser la question de est-ce que je vais cliquer ou pas sur le petit bouton s'abonner, tout ça. Parce que probablement, il y aura des choses très intéressantes pour vous sur cette chaîne, donc... Voilà, je vous laisse y réfléchir le temps de la vidéo, ou même maintenant, vous pouvez cliquer aussi. Aujourd'hui, on va donc démonter une très grosse idée reçue en vidéo. C'est quelque chose qui revient très souvent, c'est quelque chose qui est mal compris, donc on va essayer de l'expliquer clairement, simplement, et de voir un petit peu tous les points positifs, points négatifs, avant de se faire une idée. Bien entendu, on va pas rester sur quelque chose d'hyper catégorique, on est des gens ouverts hein, sur cette chaîne, on réfléchit, on fait des trucs intelligemment. Et cette grosse idée reçue, eh bien, c'est tout simple, c'est la règle des 180. 180 degrés d'obturation. Alors, rien à voir avec la règle des 180 degrés en composition, hein, ça c'est complètement autre chose, je vous mets des liens dans la description pour vous expliquer un petit peu tout ce que c'est. La règle des 180 degrés en obturation, vous en avez très probablement entendu parler, c'est cette règle qui voudrait, je dis bien voudrait au conditionnel, hein, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est intéressant d'avoir la chose dans son ensemble, cette règle qui voudrait que si on filme à une certaine cadence d'image, un nombre d'images par seconde, il faudrait systématiquement adapter de manière complètement arrêté et sans aucune autre alternative, la vitesse d'obturation. Alors je suis sûr, il y en a déjà qui sont perdus, ne vous inquiétez pas, on va réexpliquer toutes les bases, vous allez voir, c'est très important tout ce qu'on va dire ici. Et petit à petit, on va démonter l'idée reçue et on va voir ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. La base de la vidéo, c'est un gros mensonge, bien évidemment, puisque les images que vous ne captez, en soi, ne bougent pas. La vidéo, c'est une succession d'images fixes, une succession de photos, hein, tout simplement. Et vu qu'il y en a beaucoup à la seconde, notre œil ne fait pas la différence entre une image fixe et une image en mouvement. On a donc une illusion d'optique en fait qui crée ce fameux mouvement. Vos boîtiers vous proposent d'enregistrer à différentes cadences d'images, c'est-à-dire qu'il va vous proposer d'enregistrer à 25 images par seconde, à 30 images par seconde, à 60, à 100, à 120, voire même encore plus, hein, on peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'images par seconde sur certaines caméras, et on se pose souvent la question de à combien d'images par seconde est-ce que je dois filmer. Alors généralement, quand on regarde un film au cinéma, il est tourné à 24 ou 25 images par seconde, en fonction de la zone géographique. Ce n'est pas une règle absolue, puisqu'il existe des films qui ont été tournés à d'autres cadences d'images, bien entendu, mais la plupart du temps, on utilise cette cadence-là. C'est pour ça que je vous recommande souvent de créer vos projets, je parle bien du montage, hein, pas du moment où on va filmer, à 25 images par seconde, parce que c'est un standard que l'œil va reconnaître, auquel il est habitué. Parce que monter à 25 images par seconde et tourner à 25 images par seconde, ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi est-ce qu'on voudrait donc filmer à plus de 25 images par seconde, puisqu'on va monter à 25 images par seconde, et bien tout simplement parce que plus on a d'images par seconde, plus on va pouvoir créer des ralentis, plus ou moins ralentis. Plus il y a d'images, plus on va pouvoir ralentir la séquence. On peut aussi monter à 50 images par seconde ou plus, mais c'est une histoire de goût. Moi personnellement, je trouve ça vraiment pas joli et pas esthétique, mais c'est une histoire de goût. C'est maintenant qu'arrive notre règle des 180 degrés. Cette règle, elle dit que si on filme à 25 images par seconde, on doit avoir une vitesse d'obturation qui va être de 1 cinquantième. On va multiplier le numérateur de la fraction par 2. La vitesse d'obturation, c'est le temps que va mettre le capteur pour prendre la lumière pour une image que vous avez filmée. Alors, il y a plein d'explications en termes d'optique et de physique pourquoi cette règle-là, qui a tout à fait lieu d'être et d'où elle vient, surtout. Donc, je vous mets des liens dans la description. Il y a des chaînes qui ont expliqué ça de manière hyper simple et hyper efficace, je ne vais pas revenir dessus. Et donc, si on applique cette règle au slow-mo, par exemple, on a, bah, si on filme à 100 images par seconde, une vitesse d'obturation qui va être à 1/200. Bon, ça, vous l'avez entendu partout. Les Américains, les Canadiens, les McKinnon, les machins, ils n'arrêtent pas de vous rabattre les oreilles avec ça. Et moi, je ne suis pas d'accord du tout avec le fait qu'il faille appliquer systématiquement et de façon complètement bornée cette règle-là à toutes vos vidéos. Pourquoi c'est conseillé? Parce que, tout simplement, en suivant cette règle du moins à 1 cinquantième, on obtient un flou de mouvement, un flou de bouger qui va être proche du flou naturel observé par l'œil. Mais ce qu'on oublie souvent de vous dire, c'est que ce flou de bouger, il est intéressant dans certains cas, mais pas dans d'autres. Autrement dit, si vous filmez une scène d'action, par exemple, où il y a des mouvements qui vont très vite, si vous filmez à 1 cinquantième, bah, vous allez rien voir.
mais rien du tout. Ça va aller beaucoup trop vite et il y aura beaucoup trop de flou. Cette règle, elle est vraiment utilisable dans certains cas, notamment des cas où l'environnement, il est optimal. C'est-à-dire qu'on va avoir le contrôle sur la lumière, on va avoir une équipe éventuellement qui va pouvoir gérer les choses, on va pas être tout seul à filmer quelque chose de complètement run and gun ou à faire du reportage. C'est juste pas possible de faire ça en permanence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que vouloir le faire et vouloir respecter cette règle en permanence, pour des vidéastes comme vous et moi qui faisons du reportage, du run and gun, de l'événementiel, c'est aller au casse-pipe direct. Il y a un autre truc qui est lié à ça, c'est le slow-mo, la vitesse d'obturation quand on filme à 100 images par seconde par exemple. C'est là où plein de gens font l'erreur. Le 1/200e, c'est à utiliser quand on est sur de la lumière artificielle par exemple. On va se fixer à 1/200e pour ne pas avoir un effet de flickering. Vous pourrez faire le test chez vous, si vous mettez une vitesse d'obturation un petit peu bizarre avec des lumières artificielles, avec des ampoules, vous aurez une espèce de scintillement qui sera très disgracieux. Et l'idée, c'est de ne pas descendre en dessous de 1/200e, puisque en dessous, bien, on aura du flou de mouvement, et si on filme à 100 images par seconde, c'est pour faire du ralenti, c'est pour avoir un mouvement fluide, sans flou et bien net, et donc par conséquent, on ne veut pas ce flou de mouvement sur du ralenti. Donc ce 1/200e à 100 images par seconde ou ce 1/100e à 50 images par seconde, l'idée c'est de ne pas descendre en dessous et de s'y coller quand on a une lumière artificielle. Mais dans tous les cas, à 1/200e, et là c'est physique, on n'aura pas de flou de mouvement à moins que le mouvement aille très 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 vite. Mais il n'y en aura pas, même si on a filmé à 100 images par seconde et 1/200e, eh ben, si on ramène ça à 25 images par seconde, le flou de mouvement... il n'est plus là, c'est mort, c'est 1/200e, il n'y a pas de flou de mouvement. Ça veut donc dire aussi qu'il y a une histoire de filtre ND dans l'histoire. On vous a peut-être aussi beaucoup parlé des filtres ND, qu'il faut les mettre pour pouvoir respecter la règle quand il y a une forte luminosité, etc. Le filtre ND, on en a déjà parlé dans une vidéo qui s'affiche quelque part là, c'est tout simplement une espèce de lunette de soleil en fait pour votre objectif, pour enlever un petit peu de lumière quand il y en a trop. C'est tout à fait valable si on filme un sujet qui n'est pas vraiment en action en extérieur, le 1/50e va être vraiment indiqué à 25 images par seconde. Il faudra par conséquent un filtre ND puisqu'on aura beaucoup trop de lumière. Encore que si on filme un match de foot ou des choses comme ça, bah là encore on peut augmenter le shutter puisqu'on ne veut pas de flou de mouvement, bien entendu. Mais en slow-mo, c'est là que ça devient complètement con. Ne mettez pas un filtre ND si vous filmez du slow-mo. Augmenter votre vitesse d'obturation puisque de toute façon vous n'aurez pas de flou de mouvement. À moins d'avoir vraiment une lumière extraordinaire, vous pouvez gérer ça avec l'obturation. Avec le... Moi ça m'arrive de monter à 1/1000e et honnêtement il n'y a aucune différence à l'œil du moins entre 1/200e et 1/1000e. Enfin vraiment, il faut vraiment aller la chercher ou avoir des sujets qui bougent très très vite pour voir la différence. Voilà, le filtre ND en slow-mo, ça n'a aucune utilité. Vraiment, vraiment aucune utilité. Pause café, parce que là, je m'emballe un petit peu. Effectivement, à 1/50e, en plein après-midi, si on veut garder un petit peu de flou d'arrière-plan et pas avoir une ouverture toute rikiki, bah forcément, on va mettre un filtre ND. Et je suis pas en train de dire que les filtres ND ne servent à rien, j'en ai toujours dans mon sac au cas où, et je m'en sers, je les utilise. Mais je les utilise pas hyper souvent parce que ce que je fais ne s'y prête pas forcément. Donc pour résumer, cette règle, elle est très intéressante, elle est importante à connaître, mais il faut aussi être intelligent quant à son utilisation. Les choses qu'il faut retenir, le filtre ND. Déjà, vous allez vous en servir uniquement si vous filmez à 25 images par seconde et dans des conditions très fortes de lumière. Et si vous ne filmez pas quelque chose qui va très vite et si vous avez envie d'avoir ce flou de mouvement. Donc ça fait beaucoup de conditions hein, pour l'utiliser plutôt que de se dire c'est un super outil. Non, il y a vraiment des cas spécifiques dans lesquels ça a un intérêt. Et ça en a un, vraiment. Ensuite, la règle des 180 degrés, ce fameux shutter à 1/50e à 25 images par seconde, vous allez l'utiliser dans un environnement contrôlé, avec une lumière contrôlée, et à condition que vous vouliez, encore une fois, ce flou de mouvement. Et enfin, la dernière chose à retenir, c'est que si vous faites des ralentis, si vous faites du slow-mo, le filtre ND, on oublie, ça ne sert à rien. Et la règle des 180 degrés au ralenti, on va faire du tout pile, entre guillemets, quand on est en lumière artificielle pour éviter le flickering. On évitera de descendre en dessous de 1/200e pour essayer de
pas avoir justement de flot de mouvement. Et en cas de forte lumière, pour baisser l'exposition, on pourra augmenter la vitesse d'obturation autant qu'on veut. Et voilà, on a démonté une idée reçue qu'on entend partout. Merci Peter MacKinnon d'avoir fait faire cette erreur à tout le monde, d'avoir mis un petit peu le bordel dans le cerveau des gens en se disant « Ah, c'est la règle, il faut absolument la garder, pourquoi je prends cette voie, c'est tout pourri !» C'est une chose que je dis souvent, en vidéo, vous êtes dans un domaine artistique, l'important, ça va être l'intention. Les règles, elles sont là pour vous donner des guides, elles sont là pour vous donner des indications, mais quand vous les connaissez, et surtout quand vous les comprenez, vous pouvez vous en affranchir, vous pouvez aller au-delà des règles pour faire le rendu que vous voulez, le rendu que vous avez décidé que vous aurez dans votre vidéo. Flou de mouvement, pas flou de mouvement, voilà, ça c'est après votre choix. Mais il faut comprendre la règle avant de l'appliquer parce que là, pour le coup, il y a énormément de gens qui appliquent cette règle sans la comprendre et qui se compliquent la vie monumentalement alors qu'il n'y a pas besoin. Voilà. C'est donc tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez appliqué cette règle et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez bien entendu cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se situe juste en dessous lui aussi, sur la cloche également pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis moi je vous dis comme d'habitude les amis, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai reçu une tondeuse pour la barbe et je me dis que vu que la situation va encore un petit peu continuer, je me tâte quand même à mettre un gros coup de tondeuse au-dessus, mais j'ai peur de vous faire peur, je sais pas ce que vous en dites, moi j'ai quand même toujours rêvé de... Ça doit avoir un petit côté satisfaisant qui est pas dégueu. Voilà, on verra, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Peut-être que j'aurai une casquette. Voilà.